Bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué de presse et qui nous arrive du président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Ayasanogo, qui déclare avoir appris par voie de presse qu'il a empêché l'ancien premier ministre de voyager. Par la présente, il apporte un démenti à ces allégations et tient à préciser son souci pour le respect de la légalité et conformément à l'accord. Cadre ne s'implique pas dans la gestion quotidienne des affaires de l'État. Le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité demande donc son implication dans une quelconque mesure que ce soit dans le cadre de la gestion de l'État. La mission du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité est de rendre opérationnel notre armée, une tâche à laquelle il s'attelle pour la reconquête de l'intégrité du territoire, de mettre en place une armée réformée républicaine au service du peuple malien.